partie dans cette troisième compétition. Qui est parti de Chevreuse, qui a un départ en légère hauteur pour le numéro 6, Oreo, qui est certainement en juste le numéro 3, qui a été son partenaire, numéro 3, qui a été loin de Chiprès, avec en fait dans cette compétition, on se rapproche avec la plus grande dehors, le numéro 8, Kino, du coup, qui est bien assez vite maintenant, et qui essaie de prendre l'avantage, alors pour centre, on se défend bien les mains avec la QFR, qui est. Et parmi très vite le centre, l'avantage est pour le numéro 8, qui va du coup, qui est au retour maintenant, avec en légère prise une très belle lutte pour la tête de classe, le numéro 8, qui nous du coup, est un luxe de classe, qui va résister au retour du numéro 9, Oréa, qui est très bon de lutte, qui nous du coup, le numéro 9, pour la tête de classe, pour la tête de classe, le numéro 4, c'est pour la tête de classe, le numéro 8. C'est Diego du Franchovich et Manon Baquet qui passe au dos en cinquième position. Bref, le numéro 7, cette étoile qui tient bien Mao, va franchir le poteau en septième position.